là. Deuxième partie sur le jeu, pas clair. Alors, j'ai des nouvelles armes apparemment. Fin de l'événement. Deux salles terminées. Okay. Ah, j'ai gagné un cadeau. Griffe et fouet. C'est très lent le fouet. Il n'y a pas d'événement. Et là, c'est quoi? La traque du chasseur de sang. Ah ouais, on va faire ça. On va essayer de faire un chemin où on prend les stats des améliorations. Alors on a quoi là? Donc j'essaye le fouet. Ah oui, mais voilà. Direct, j'appuie sur croix pour faire une roulade alors que c'est gâchette. Un truc à fouiller là-bas. Très bien. Déjà un choix. Oh, ça fait mal. Aïe aïe aïe. Esquive. La tunasse. Sphère d'aigle. Relique. 15% de dégâts. 15% de dégâts aux attaques de foudre. J'ai pas d'attaque de foudre. Je me sens déjà arnaqué par le jeu qui me donne des objets inutiles. Pas mal le fouet. D'accord, faut quand même que j'apprenne à esquiver. J'ai l'impression d'avoir raté plein de coffres tout à l'heure. Hache de lancer. Aucun pouvoir, bah lui il a un pouvoir. On va prendre ça. Tâche, c'est fait. Le bonus de stats. Aïe aïe aïe. Quelle erreur. Il y a un timing sur les parades que j'ai pas encore. Voilà. Là, je tente le jeu avec les parades. Je me dis que eh bien un moment quand j'y arriverai je vais être récompensé. Plus 20 dégâts sur les fouets. Enfin récompense. Plus 10% de dégâts, je pense. Ah non, j'ai fait prendre 200. Je voulais mettre du pognon. Je me suis trompé de bouton. Et là, du coup, j'arrive à 100. J'arrive à 100 de malédiction. De corruption, donc j'ai une malédiction. Subir des dégâts provoque des hallucinations. Pendant les hallucinations, esquiver ne coûte pas d'endurance. Ah oui, là je vais boire du sang pour me soigner. Deux fois full life, mais 20% de corruption. Et là, j'ouvre une porte, je passe à 40, ça va trop vite. Hein. La corruption, ça grimpe trop vite. Oh non.
Allez. Allez, mauvais timing. Mauvais timing. J'arrive pas du tout. J'ai fait. Oui, c'est bon. Un, deux, il attaque trois fois, ok c'est bon. Enfin, j'ai re 80% de corruption là. Je me suis fait toucher trop de fois. Et on va prendre ça. Dégâts de base plus 1% par point de perception. Et je sens qu'en perception j'ai 0. Oh, allez, donne la deuxième. Soif de sang. Tous les effets de soins standards deviennent inefficaces. Parfait. Tuer des ennemis relâche du sang au lieu de l'or qui restaure une portion de santé. La quantité de sang relâché est augmentée par le compteur de grid kill et la perception. Aïe! Quelle galère. Ça va, c'est pas trop un malus puisque si je joue bien, je me soigne. Mais encore faut-il bien jouer quoi. Ce timing que je n'arrive pas à avoir. J'y arriverai. Bouclier, arme secondaire. Après une parade, l'arme principale inflige des dégâts critiques pendant 2 secondes. Ouais, mais je. J'arrive pas à parer. Et troisième coup. Oh là là, ils me font chier. Oh là là. Je prends 30, je me soigne de 5, ça va être long. Arme ou relique? Relique? Ouais, j'ai encore une malédiction là. Ah non, ouf. Ça va. Je vais pas dire que je suis chanceux, mais... Allez, grid kill. Allez, please. Lui, il faut l'esquiver. Ah, je l'ai bien esquivé, là. Toujours du mal sur les trucs de timing au début, hein, c'est abusé. Deux. Trois. Oh, allez, on va tuer lui. Voilà. On entame celui-là. Parfait. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Je
Je me suis soigné sur ce combat, j'ai pas perdu de vie. C'est quoi? Arc de précision. Arme à deux mains. Ah, on peut offrir les armes aux dieux pour enlever de la corruption. J'avais pas vu. Ah, c'est ça. Puis 600 dex. Restaure 18% de vie. Restaure 18% du montant de l'offrande d'or sous forme de santé. Parfait, je peux pas. Si c'est en dex, je sais pas à quoi ça sert la dextérité. 10% aux dégâts. Non. Oh. 22% aux dégâts. Très bien. Une amélioration. C'est con. J'ai une arme qui me booste sur la perception et mes stats c'est la dextérité. J'ai foncé dedans. Incroyable, mais vrai. Je me soigne là. Je me suis soigné de 100 PV. Je me suis pas fait toucher et tout, incroyable. Plus 20% de chance d'infliger des dégâts de poison, vas-y. Hein. Corrompu. Relique ou stat hein. J'ai quoi? Flamme dansante. Les pièges lance-flammes s'activent automatiquement si vous venez en phase 2. C'est bien, on va s'amuser. Voilà. Comme ça. N'attendez pas à profiter aussi vite du piège de lance-flamme. Et du soin. Pris le piège de sang. On est venu chercher des stats. 10% de dégâts. Combien de... 60%. Ouais. Je l'offre au dieu. Aïe aïe aïe. Tu as pris combien là? Allez, arrête l'alu là. Arrête l'hallucination. Ok, comme ça je peux prendre le truc à 40. Je passe à 96 et je suis pas maudit. Je gagne un peu de temps. Oh, je suis maudit quand même. Merde. J'avais oublié que la porte ça donne 20. Les pièges à pic se déclenchent automatiquement en rythme. Je crois que c'est le boss donc ça va. Enfin, ça va, je suis mis de barre et j'arrive au boss. Mais... Ok, c'est lui. Oh là là, 200 de points de vie en moins.
plaisante pas trop, lui. Focus les petits chats là. Je te défonce. Il m'a signé. Il va m'attaquer, je sais. Le deuxième, voilà. Allez, c'est bon. Deuxième run. Ouais. Ça va. Ah, j'ai cru que j'étais mort, que j'avais pris des dégâts parce que j'étais dans l'explosion. En vrai, par rapport à Hades, 32 hits, c'est assez facile. Hein. On va se mentir.